Bienvenue dans ce petit tutoriel où nous allons travailler avec la caméra d'Adobe Animate. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai pris une image sur Internet et je l'ai vectorisée. Donc, je vous montre le résultat de la vectorisation. À partir de là, dans Animate, j'ai commencé à créer différents éléments qu'on peut éventuellement retrouver dans la bibliothèque. Donc ici j'ai un personnage, j'ai le pont, la ville est ici, voilà, donc je vais pouvoir rentrer dans mon calque et le convertir en symbole. Et je vais l'appeler Town. Donc on peut appuyer sur F8 pour créer un symbole. Voilà, un nouveau symbole. Et le renommer. Donc, je vais éteindre Illustrator. Je vais revenir sur Animate. Donc j'ai créé un nouveau symbole. Donc j'ai trois symboles. J'ai Town, la ville, j'ai le pont et j'ai un personnage. Je vais revenir ici comme je suis en mode groupe, je vais revenir en mode séquence, voilà, et on va regarder, alors, notre petite animation. Donc, je vais ajuster la fenêtre, donc j'ai fait une animation, comme ceci. Donc en fait, j'ai plusieurs calques, donc j'ai le ciel, hein, qui est juste un aplat que j'ai créé, il y a le pont, et il y a le calque, un autre calque ici qui va donner une impression de profondeur. Et bien sûr, j'ai mon personnage. Voilà. Donc pour créer une animation, hein, dans un premier temps, vous devez ouvrir la profondeur de calque, voilà, qui se trouve ici. Donc j'ai séparé mon paysage, ma ville, hein, New York, en deux calques distincts, voilà, plus on va dire le fond, c'est-à-dire le ciel. Donc ici le pont, je l'ai mis à 422, vous voyez, je peux agrandir je peux rapprocher mon élément comme ceci, hein. Et le ciel, je l'ai mis à 1268, voilà, et la ville, je l'ai laissé à 0, le personnage aussi. Donc ce sont des éléments de premier plan. J'aurais pu décaler mon personnage. Vous voyez, et donc je passe derrière l'image, donc je peux le rapprocher éventuellement. Pour faire un décalage, il faut déjà créer des calques différents de façon à pouvoir utiliser la profondeur de calque et donner une valeur numérique à vos calques. Donc plus la valeur numérique est grande et plus votre calque est en arrière. N'hésitez pas à, par exemple, on va montrer le ciel, on va voir, peut-être pas le ciel, on va travailler par exemple sur la ville, je vais vous montrer, donc vous voyez il y a des bords. N'hésitez pas, vous appuyez sur Q et vous redimensionnez votre élément. Là je le déforme, juste le redimensionner. Donc vous voyez, en fait, vous pouvez manipuler vos calques comme ça pour qu'ils correspondent en fait à l'espace de composition. Vous pouvez les étirer, voilà, proportionnellement et les recadrer. Donc, une fois que cette manipulation a été faite, j'ai créé une animation de caméra. Alors là, on va créer une nouvelle caméra comme ceci. Voilà. On crée une nouvelle caméra. Et on va animer, alors on va créer une interpolation classique, on va mettre notre curseur à un instant T. Voilà, donc je vais peut-être recadrer déjà mon animation. Alors on peut recadrer comme ceci, on peut continuer à zoomer, hein. Vous voyez le point revient exactement sur le trait à chaque fois. Donc on peut zoomer
vraiment dans l'image. Donc je recommence, donc je vais mettre en zoom comme ceci, et avec l'outil caméra, vous pouvez voilà, descendre un petit peu et recaler votre animation. Donc, vous voyez le pont ici, il manque des bouts. Donc, je vais faire attention pour garder le maximum de mon image. Je veux me mettre à la frame 100 et je vais dézoomer comme ceci. On va recadrer, c'est toujours pareil, hein. On va recadrer, on zoom, voilà. Donc, j'ai créé une animation directement, voilà, sans lutter, avec ma caméra. À partir du moment où j'ai au préalable réglé mes calques ici et que je leur ai donné une profondeur, je peux utiliser l'outil caméra pour créer voilà une animation. Donc une fois que vous avez créé cette animation, vous pouvez l'exporter. Moi j'ai fait le choix d'exporter mon animation par exemple comme ceci, exporter l'animation en choisissant le format PNG que je préfère au format JPEG par exemple au niveau de l'image. Pourquoi? Parce que le format PNG a une couche alpha et donc on peut jouer sur la transparence. Donc j'ai fait une sortie d'image de chaque élément. J'ai sélectionné par exemple mon personnage, j'ai fait une sortie, j'ai fait exporter, exporter l'animation, ensuite la ville et ensuite le pont. Une fois que j'ai fait mon export, j'étais dans After Effects pour continuer à modifier mon animation. Voilà. On retrouve les mêmes éléments, j'ai rajouté quelques effets, donc je vais recommencer le projet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, alors je vais mettre mon premier plan, je vais le faire glisser dans l'icône de composition et j'intègre dans After Effects mon premier plan. Je prends mon pont, je le mets en dessous et je prends mon personnage que je mets au-dessus de la pile puisqu'il est devant. Là, et on a nos trois éléments. Maintenant, je vais le mettre comme ceci et je vais pouvoir apporter des modifications et rajouter des éléments pour parfaire mon animation. Donc on va créer par exemple, alors on va garder juste le pont. J'avais des petits problèmes de colorimétrie ici, je vais les régler avec un effet de correction colorimétrique. Je vais sélectionner la couleur blanche et je vais jouer sur la luminosité. Voilà, pour retrouver correction de saturation. Donc voilà, on ajoute un peu de correction de saturation et là on va trouver une couleur qui va se rapprocher un peu de ce que l'on veut. Donc peut-être un marron jaune. On va jouer sur la tolérance, voilà, pour bien diffuser la couleur. Voilà, on joue sur la luminosité, on recherche les valeurs appropriées, voilà, comme ceci. Donc je trouve que c'est pas mal. Mon blanc est du coup n'est plus blanc, il est jaune. Je réintègre à ma composition. Je vais ajouter, alors je vais décoller quand même le fond et sur le pont, je vais jouer sur la luminosité et le contraste. Donc effet, correction colorimétrique, luminosité, contraste. Et je vais donner un peu plus de luminosité et un peu moins de contraste
à mon élément pour le décoller du premier plan. Ensuite, je vais pouvoir créer un calque d'effet. Voilà. Et sur ce calque d'effet, je vais pouvoir éventuellement... alors, je vais garder mon calque d'effet. Ici, je vais mettre un fond. Je vais créer un solide de couleur, par exemple rouge. Voilà. Je vais le mettre derrière. Je vais lui mettre un effet... Alors, je vais générer une gamme de dégradés, comme ceci. Voilà, ce qui me donne un petit effet supplémentaire assez sympathique. Je vais pouvoir modifier la colorimétrie, enfin la couleur de mon dégradé un petit peu. Voilà, pour donner quelque chose peut-être de plus lumineux. Voilà. Je vais, sur mon calque d'effet, je vais mettre... un effet de lueur diffuse. Voilà, je vais accentuer le rayon, je vais diminuer un peu la lueur diffuse, je vais vraiment accentuer le rayon. Voilà, donner un effet un peu de luminosité derrière. Voilà. Et je vais recréer, alors je vais créer un calque d'effet. Ce calque d'effet, je vais mettre au-dessus de la pile et je vais pouvoir mettre un effet de simulation. Et je vais mettre Rainfall. Voilà. Maintenant, on voit il y a des petits traits. On a une animation de pluie. On va augmenter peut-être... la pluie, voilà, augmenter un peu le débit. On va se mettre en résolution 1/4 pour voir ce que ça donne. Donc voilà, en séparant les calques, en faisant des sorties séparées de mes calques dans Animate, j'ai pu les intégrer à After Effects et continuer à améliorer mon animation en rajoutant un effet de pluie, en rajoutant aussi des effets là où il y avait quelques soucis. Je me dis, bon, on est la nuit quand même, hein, on pourrait, alors je vais mettre en intégrale. Ici, je pense que les fenêtres ne reflètent pas vraiment la bonne couleur, donc je vais aller dans le pont. J'ai fait une correction colorimétrique à partir du blanc, je vais la copier et je vais la mettre sur mon premier plan. Voilà, et donc du coup là j'ai modifié l'aspect de mes fenêtres. Voilà, je vais essayer de trouver peut-être une couleur plus lumineuse. Qui a plus à voir avec le jaune peut-être, la lumière, la correction de teinte, de la saturation, voilà, quelque chose comme ceci. Façon à garder vraiment des bons, une unité en fait dans la composition. Voilà, on peut regarder l'animation en train de se faire tranquillement. Donc l'essentiel avec Animate, donc vous créez des décors. Ces décors, en fait, vous avez vu, je n'ai pas hésité à prendre une image trouvée sur internet pour pouvoir la vectoriser et ensuite avec Animate créer différents calques pour créer une profondeur en fait dans le paysage. J'ai rajouté mon personnage, j'ai fait une animation assez simple où le personnage justement est statique, il y a juste une animation de caméra. Ensuite j'ai fait des sorties de mes calques séparément pour les incorporer dans After Effects et pouvoir recréer une ambiance différente en rajoutant des éléments comme de la pluie et des effets de luminosité, etc. Voilà l'essentiel
pour ce petit tutoriel. On va regarder l'animation se terminer pour la voir en vitesse réelle. Donc l'avantage avec la vectorisation, c'est qu'on arrive directement à créer des décors avec un type BD très rapidement. Donc voilà, c'est très pratique pour des illustrations de storyboard, pour déjà donner une première ambiance à votre projet. Donc voilà, c'est l'essentiel de ce petit tutoriel. Donc n'oubliez pas, voilà, dans Animate, vous pouvez utiliser la caméra. Donc pour créer une caméra, ça va être cette icône ici. Donc on peut enlever la caméra et la remettre. Elle a gardé les informations d'image clé qu'on lui a donné précédemment. Donc voilà l'essentiel pour ce petit tutoriel.